Salut les amis, bienvenue au stade Raoul Barrière pour le départ à Biarritz, puisque vous savez que ce vendredi, la SBH se déplace au Pays Basque pour aller affronter les Biarros avec Thomas Zénon, le jeune ailier ou arrière, comme on veut, de la SBH. Ça va Thomas? Bonjour, ça va, ça va. Prêt à en découdre avec cette équipe de Biarritz, grosse équipe de cette Pro D2. Oui, c'est une grosse équipe qui est complète autant devant que derrière. Il y a un bon jeu sur les lignes au large, dans le jeu courant, donc ça va être un grand match. Est-ce qu'il y a eu une préparation spéciale cette semaine justement pour ce déplacement au Pays Basque? Non, une préparation comme chaque semaine pour chaque match. Après, on est un peu frustré de la semaine dernière. On aurait pu prendre le score un peu avant, prendre ce point de bonus. Mais bon, on a la victoire, c'est essentiel. On est deuxième ce soir, donc on va voir contre Biarritz. C'est vrai qu'on vous avait senti un petit peu frustré parce que ce point de bonus offensif n'a pas été obtenu. Mais cette équipe de Rouen était venue vraiment pour vous embêter, si on s'en souvient. Ah oui, on a été embêté tout le match avec une ligne derrière qui montait très vite, deux centres qui montaient très très vite, qui nous a gênés d'ailleurs toute la partie. On n'a pas su les contourner, mais bon, après on a eu la victoire. C'était l'objectif de rester invaincu à domicile. En plus, ils ont tout tenté pour l'avoir. Alors là, évidemment, Biarritz, c'est un autre morceau. Biarritz qui n'est pas forcément un bon souvenir pour les Rouges et Bleus. Souvenez-vous, l'année dernière, eh bien, on avait perdu ici. Donc, il va falloir, non pas se venger, parce que le terme vengeance est peut-être un terme qui ne sera pas approprié dans le sport, mais il va falloir, comment dirais-je, remettre l'église au milieu du village. C'est peut-être l'occasion, mais ce sera dur quand même. Oui, ça sera dur. Après, c'est un dernier match de bloc. On doit aller chercher quelque chose à Biarritz, on doit tenter le coup à fond et ramener des points de Biarritz, c'est un match qu'on a coché. Actuellement, Béziers deuxième avec un match en moins, bon, les feux sont ouverts quand même. Oui, les feux sont ouverts, après il faut continuer à travailler toutes les semaines parce qu'on peut voir même les promus sont difficiles à jouer à la maison, donc il faut travailler pour rester en haut du classement. Alors après ce match, vous l'aurez compris, bien sûr, il y aura une mini-trêve. Et ensuite, il y aura 8 matchs d'affilée qu'il va falloir préparer, il va falloir faire tourner, il va falloir être bien physiquement. Toi, tu te sens bien, il n'y a pas de problème, bonne intégration avec les Rouges et Bleus depuis le début de la saison. Oui, ouais, ça a été très bien. Je suis arrivé un peu plus tard que les autres dû à ma mutation, mais ça s'est très bien passé. Je suis très content d'être ici. En plus, j'ai du temps de jeu, donc c'est cool. Voilà, avant de te laisser partir pour le Pays Basque, une petite question. On sait que l'équipe de France, dimanche matin, va jouer contre le Pays de Galles. Ce sera un quart de finale de Coupe du Monde. Allez, comment tu as la vision de ces Bleus qui vont jouer face à des Gallois qui ont un match en plus et malheureusement, ça fait quelque temps que les Bleus n'ont pas joué. Est-ce que ça va être, d'après toi, un avantage ou un inconvénient? Je ne sais pas si ça va être un avantage ou un inconvénient, mais bon, je pense que la Coupe du Monde, c'est une compétition à part et sur chaque match, on peut voir qu'il y a des surprises, donc la France peut gagner contre le Pays de Galles. Allez, ça c'était pour la petite page Coupe du Monde, mais surtout on va se concentrer sur ce vendredi pour ce match très important entre l'AS Béziers et Biarritz. Béziers actuellement deuxième avec un match en moins. Biarritz, on sait qu'à Aguilera, ce ne sera pas évident. Puis je salue mon collègue speaker Stéphane Couture. J'avais promis que ce matin, j'y ferai un petit coucou sur la vidéo de l'ASBH. On ne sera pas d'accord hein, pendant une heure et demie, mais ce n'est pas grave. En tous les cas, avec Camelou, certainement qui va se déplacer, peut-être aussi la bande à Mesclalis et tous les supporters, vous savez que vous ne serez jamais seul à Béziers. Oui, ça s'est vu. Et puis même, on a parlé avec des joueurs que je connais qui sont venus jouer à Béziers et ils ont été surpris du public. Allez, partout en France, Aki Aki. SBZS. Absolument.